Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, l'information est tombée hier et a choqué absolument toute la planète, jusqu'à ses parties choquées, outre-Atlantique. Vous n'avez pas vu cette information concernant, encore une fois, je suis désolé, Kylian Mbappé, qui ne fait parler de lui absolument par tout le monde. Même en Ukraine, ça parle de lui. Parce que vous avez entendu le salaire que propose le club de Al-Hilal à Kylian Mbappé, 700 millions d'euros sur un an, 22 euros par seconde, je ne sais pas combien d'euros par minute, vous vous rendez compte? Je ne sais plus où on est. Voilà, donc là j'ai pensé que quand Kylian Mbappé disait que le foot avait changé, j'ai pensé qu'il parlait de manière, voilà, marketing. Ça a un peu changé, mais non, là, il y a des gros sous qui commencent à chavirer dans le monde du football. 700 millions d'euros. Et on apprend quoi? Que Kylian Mbappé va refuser cette offre. Tandis que tout le monde vient nous expliquer que Kylian Mbappé est resté au Paris Saint-Germain uniquement pour l'argent. Mais mesdames et messieurs, en plus, le club de Al-Hilal propose à Kylian Mbappé de prendre ses 700 millions d'euros et ensuite d'aller tranquillement au Real de Madrid, libre, sans qu'il y ait aucun problème de la part du club de Al-Hilal. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc là, il lui propose de lui mettre la cuillère en or dans la bouche, à lui, à ses enfants, à ses arrière-petits-enfants. Il lui propose de mettre tout le monde à l'abri. Il lui propose même d'envisager une retraite anticipée. 700 millions d'euros sur un an! Oh là 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 là, mais ça y est, lui, il vend des habits au monde entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous vend du lait à tout le monde, là. Il vend des cure-dents, tout le monde a besoin des cure-dents, il vend des papiers toilettes. Ça y est, là, l'entreprise Mbappé, elle a dépassé toutes les sphères. Salaire, 700 millions d'euros. Jusqu'à, on a un joueur de NBA, Giannis Antetokounmpo, qui est venu nous mettre des photos sur Twitter en disant, regardez, moi aussi, je ressemble à Kylian Mbappé, je peux venir, si vous voulez, à sa place. Vous vous rendez compte? Alors que lui, il a son contrat en NBA, que peu de joueurs ont. Mais il a vu le contrat que Al-Hilal proposait à Mbappé, il a voulu carrément changer de sport. Il s'est dit, non, attends, moi je suis là en train de sauter partout, envoyer des ballons avec les mains. J'aurais dû jouer avec les pieds. Regarde-moi ça, 700 millions d'euros. Qui refuserait cette somme d'argent? Franchement, on va pas se mentir. En plus, on te dit, tu viens un an et ensuite tu vas dans le club de ton choix. Dans le club de tes rêves. Qui aurait accepté cette offre, si ce n'est pas Lionel Messi, l'homme qui a tout fini? Voilà! Donc là, on a Mbappé qui vient de refuser la plus grosse offre, non, enfin, la deuxième plus grosse offre qui a été posée sur l'année 2023. Parce que là, on vient d'apprendre encore une info absolument incroyable. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Eux, ils creusent, il y a de l'argent partout. Je ne comprends pas. Mais là, on a eu des précisions sur le contrat qui avait été proposé à Lionel Messi. 1 milliard par mois. C'est ce qu'il voulait lui offrir. Lionel Messi a préféré aller jouer à l'Inter Miami. Mais tu te rends compte? C'est où qu'ils trouvent leur argent, eux? Hein? On le sait. Ils vendent à tout le monde ce qu'ils peuvent vendre. Et après, ils achètent tous nos joueurs qui sont en Occident. Là, c'est officiel, c'est clair et net. Hein? Le foot européen commence à mourir à petit feu. Ah oui! Parce que là, d'un autre côté, on a Al-Hilal qui vient proposer hein, de sortir 1 milliard comme ça pour Messi, 1 milliard comme ça pour Mbappé, parce qu'il lui donne 700 millions à lui et il donne 300 millions au PSG. Le PSG qui a dit oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'ils ont envie de mettre un petit peu la pression sur Mbappé. Mais c'est lui qui aura le dernier mot au final. Vous comprenez? On ne peut pas rompre le contrat d'un joueur et le vendre comme ça. Allez, c'est la fête, tiens, va au Havre, va à Saint-Étienne. Non! Kylian Mbappé a son mot à dire. Eh oui! Vous croyez quoi? Donc là, le PSG a dit oui. Al-Hilal commence à parler. Ou ouais, alors, Kylian, c'est comment? Tu veux venir jouer? Kylian Mbappé ne répond pas à ce genre de club. Tu penses que c'est un bambin? Il t'a dit qu'il veut jouer au Real Madrid. Club historique mondialement connu, reconnu. Et toi, t'es là, tu lui parles de Al-Hilal, de je sais pas quoi. Mais non! Non! Lui, il veut un club historique. Il veut pas commencer une nouvelle histoire. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Non, il veut rentrer dans un club où
tous les grands joueurs, hein, sont passés. Quand je dis tous les grands joueurs, ça doit être avant ou après. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Tu vas me dire non, mais n'importe quoi, Samuel Eto'o, il était là-bas. Non, mais Drogba, il n'a jamais été. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il est parti faire des tests là-bas. Mais bien sûr, le Real Madrid, dès qu'il y a un bon joueur, ils savent où il est, où il habite. Tu comprends? Dès qu'il y a un joueur qui fait des jonds qu'avec le pied gauche, qu'avec le pied droit, la tête normale, tranquille, et là, il fait des accélérations, des dribbles de malade, ils sont comme ça. Tu sens? Voilà, hé, hey, par ici. Ouais, ouais, allons-y. Il y a un joueur là-bas. Et voilà, donc on sait très bien que le Real Madrid, c'est historiquement très, très grand. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au Paris Saint-Germain? C'est bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de montrer la vraie face du Paris Saint-Germain. On est des comédiens. Des trucs du feu de l'amour. Tu comprends? Nasser El Khelaifi, je comprends pas. Nous, on a proposé un contrat à Mbappé. Je comprends pas. Change de disque, là.